On s'apprêtait à refaire un grand coup de ménage dans l'appart là pour se préparer avant de faire le placo. Ouais, puis on a remis notre petit poêle de fortune en application là. Pas de soucis, ça crame bien. Et la fumée s'évacue bien par pour l'instant nos boisseaux qu'on n'a pas retubés. Mais bon, vu qu'on va faire que quelques feux, ça devrait pas déranger vu que. On a bien respecté les normes. Bon, on va maintenant s'attaquer au placo, donc là on va litonner nos murs pour avoir des fixations pour nos montants. Bon là ici en dessous, on va éviter de mettre qu'un litho parce que si on perce avec notre perfor à 2 cm en dessous notre tablette là, ça va tout casser. Donc on va mettre un bout de planche de 7 pour qu'on puisse percer un petit peu plus bas et éviter de tout fracasser. Donc on va d'abord couper à la longueur et puis après on va redéligner en deux nos planches pour pouvoir faire plusieurs parties. Donc là finalement on est en train de fixer nos lithos au mur pour pouvoir fixer ensuite nos suspentes qui viendront tenir nos rails. Donc nos suspentes viendront se tenir ici pour ensuite mettre nos rails verticaux. Et on a mis 1,20 m de hauteur pour enfiler notre laine qui fait cette largeur. Bon, puis le fait de mettre nos lithos à 1,20 m là, en plus de pouvoir mettre la laine en dessous, le but c'est aussi qu'on va mettre des grands coups d'épaule comme ça, sans faire exprès contre le placo. C'est là que ce soit le plus rigide pour absorber les chocs. Donc même si après au-dessus il reste 1,50 m, ça tiendra avec nos rails qui seront au-dessus également. Donc là on va finir le tour de la salle et puis après on ira sûrement attaquer la mezzanine là-bas en montant. Bon, on va s'attaquer à l'étage maintenant. On va repositionner notre laser à 1,20 m de ce sol là. Donc on sera un petit peu décalé par rapport au litho là. On en remettra un également juste sur le bas de notre linteau. Donc jusqu'à l'aplomb de ce jambage là sur le côté. Et puis ici, on va repartir à 0 du sol. Donc 1,20 m, puis 2,40 m un petit peu au-dessus, juste là.
Bon, on va maintenant s'attaquer à nos petits plafonds pour la préparation de la pose du placo et des rails. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos lithos comme on a pu le faire sur les murs au plafond dans ce sens-là pour que nos rails y soient dans ce sens et puis que nos plaques elles soient dans la longueur comme ça. Comme ça, il y aura juste qu'une jonction entre plaques dans la longueur. Et comme on va pas prendre des plaques avec renflement sur le bord de la longueur, là, on aura qu'un seul rail au milieu où il y aura une jonction avec la même hauteur de plaque. Et petite astuce pour ça, justement, sur ce rail-là, on va le remonter de 0,5 mm, comme ça, ça nous fera un renflement un petit peu naturel sans en prendre des plaques qui coûtent 3 fois plus cher. Bon bah voilà, on en a fini avec le plafond de buanderie. Et ce qu'on a fait, vu qu'on avait des lithos de 4 mètres, là, pour pas rabouter pour l'instant, en tout cas on verra si on le fait plus tard, là on en a mis 1 sur 2 contre ce mur là, et puis pareil de l'autre côté. Nos suspentes, on en mettra un litho sur 2, un rang sur 2, ça vous parle peut-être pas comme ça, mais on vous montrera quand on le fera. Maintenant on va s'attaquer au plafond ici, qu'on n'a pas encore fait non plus, là on va pas trop se faire chier, je pense que pour l'instant on va faire une poutrelle sur 2, on va reprendre nos mesures pour être sûr. Et pareil, on va pas trop s'embêter, on va pas remettre le laser, on va se fier aux poutrelles si on est à peu près avec des mesures correctes. Là-bas il y avait 8 poutrelles, là il y en a un peu plus, j'ai même pas envie de compter combien il y en a. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos suspentes de plafond. Donc les suspentes, ça ressemble à ça, avec des petits encoches de chaque côté pour venir accueillir nos rails où on va fixer plus tard notre placo. Donc sachant qu'on va prendre des plaques de 2,50 m, on va commencer d'un bord, sachant qu'ici, les plaques de placo, elles seront collées au mur. Donc on n'a pas besoin de prendre beaucoup de marge pour nos premiers rails. On va prendre à peu près 5 cm pour fixer les premiers. Et on devrait mettre un rail également à 2,50 m, vu que c'est la longueur de la plaque. Donc on devra mettre une rangée de suspentes à 2,50 du mur là, qui va être notre mur de référence. Cette suspente là, pour éviter, comme je vous l'avais dit, de reprendre des plaques avec des renflements, on va la remonter un petit peu plus que les autres, de 3 mm pour faire finalement un renflement imposé. Nos suspentes, on va les fixer à peu près à 50 cm d'écart les unes des autres pour arriver jusqu'à celle-là à 2,50. Et en termes de hauteur, là notre rail va arriver ici. Faut compter également la hauteur du litho sur lequel
lequel on va le fixer. Et puis on va laisser une marge de 2 cm à peu près, 2,5 cm entre le litho et puis notre rail qui sera ici pour laisser passer les gaines pour les luminaires, etc. Donc là on a fait nos petits calculs. Première suspente à 4 cm, la dernière à 250, puis après on a fait en sorte d'avoir des intervalles réguliers, donc à peu près à 50 cm les uns des autres. Et pour le reste, la distance totale c'est à 421, donc du coup moins 10 du près du mur, vu que ce sera cloisonné là-bas. Et puis après, pareil, on a fait des intervalles pour que ce soit à peu près régulier, donc à peu près à 55. Donc là, on va tracer tous nos petits lithos, et puis après, on pourra se référer au laser pour toutes les poser. Donc là, on a tracé deux lithos, donc celui-là avec nos petites marques sur toute la longueur, et puis le dernier de la même façon. Et là, on va faire passer notre laser sur deux de ces marques pour pouvoir tracer tous les autres. Et on va faire ça à chaque fois, comme ça on est sûr de bien être aligné. Bon, maintenant on va s'attaquer à la pièce principale, c'est-à-dire cuisine là-bas et salle à manger là. Donc pareil, on va installer nos petites suspentes sur notre plafond. Donc de ce côté, vu que ça va être isolé par rapport à l'extérieur, là on va mettre notre suspente à peu près à 10 cm de ce bout-là. Et de ce bout-là, vu que ce sera du placo collé directement contre le mur, on va mettre à peu près à 4 cm. Donc une fois qu'on aura fait ça, on tracera nos intervalles au laser dans toute la longueur comme on a fait à chaque fois. Et puis après, on mettra notre laser en mode horizontal pour bien qu'elle soit toute alignée à la même hauteur, juste pour laisser passer ce qu'il faudra au-dessus de nos rails une fois posés quand les suspentes seront mises. On a fini avec notre traçage, donc maintenant on va faire place aux suspentes et on va laisser à peu près 10 cm entre le bas de nos lithos et le haut de nos rails qui seront sur nos suspentes. Donc on va régler le laser pour ça et puis commencer l'opération.
petite éclisse pour faire la jonction entre deux rails. Et l'autre vient à l'opposé pour finir la longueur de la pièce. Maintenant qu'on a une meuleuse, on va juste recouper nos rails qui dépassaient pour être pile poil à la bonne cote de notre plafond.